Hey! Du calme, les gars! Du calme! Vous ne comprenez pas! Les gars, écoutez-moi! Tiens! Ou encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Pitié! Hé, hey, prends mon flingue. Et vise pas en plein milieu de la cible. Hein. Bien. À toi de jouer, maintenant. Écoute, plus vite tu répondras à nos questions. Et moins t'auras de chance qu'on rate notre coup et qu'on t'explose la tête, c'est pigé. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer, ok? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est combien la prime sur nos têtes? 1,5 milliard pour chacun. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixée. 1,5 milliard? Pas mal. Parle pour toi. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Hé! Hé! Bordel de merde! Je vous ai tout raconté! Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. Pas mal. Affaire. Attention, sécurité du sable. Hey, c'est le troisième de la semaine. Ah, Sarano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés pour justifier la prime. Fouillé. On confie pas des tâches importantes à un mec bourré. Tout ce que tu touches se casse la gueule aujourd'hui, on dirait. Va te faire foutre. Ça me fera de l'air. Maintenant, je sais pourquoi il boitait l'autre. Besoin de te dire te baisser. C'est bon. Je suis pas débile. Vous êtes vraiment... Oh, la porte a l'air coincée. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. Lequel de vous a eu la bonne idée de laisser une Nova Grenade aux chasseurs de primes? Ray, on est grillé ici. Je mets les voiles. Très bien. J'arrive tout de suite. Y a rien à boire dans le coin? Non. Juste un peu de diluant dans la réserve. Ray, on a un problème. J'ai besoin de vous. Vite! Thank you.
Votre attention, tout le monde. Capitaine sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir, qu'il était déjà... là. L'hélice. Je vais nous sortir de là. Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, on se prépare. Oh, on va nulle part, Richie. Ah, oh, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Gray. Sarano nous a laissés pour morts. Mais je suis bien non, vivant. Non, t'es bourré. Encore. On n'arrivera même pas à survivre une minute. T'as pété un boulon, Ishii. J'ai fait le serment de te servir malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venges, Gray. Pour qu'on se venge. L'Ulysse tente d'entrer en communication avec nous. Armez les canons, ils vont piger le message. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne ? Alors feu ! Allez, Raël. Sarano va regretter de pas avoir triplé la prime. Fonciez avec leurs missiles ! Bousillez leurs canons externes ! On attaquait le fleuron de la Confédération. Bordel, tu peux faire mieux. Fais-moi rêver, Sarano. Du vaisseau en état captif. Ok. Bon. On était déjà morts de toute façon. Morts depuis des années. Il me reste encore une chose à faire. C'est de m'assurer qu'on n'ira pas en enfer sans toi, Général. Tu vas venir. Toi et tes sous-fifres, vous allez venir avec nous. Un petit plongeon dans un puits sans fond. Un petit aller simple pour... aller brûler en enfer. T'as raison, on a qu'à annuler la mission, hein. Tout ça parce que notre équipe
Avec moi. 3, 2, 1. Sarano veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Hé hey. Putain, Ichi, je t'ai demandé de faire exploser ce truc, pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel? On regarde quoi, là? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Général Sarano, j'ai une... Dérangez pourquoi, bande de cons? Vous êtes sur le lieu de la mission, espèce de sale... Fermez votre gueule et répondez-moi. Tous ces gens, vous nous faites tuer des civils innocents? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux? Vous êtes des criminels, bordel! Des putains d'assassins aux ordres de la Confédération! Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers! Hein? Je mentais! Et alors? On vient de tuer qui, là? Novak! Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons! Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières! Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous servez fièrement un général de votre confédération adorée, pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Alors, soit vous rampez devant moi et vous vous excusez platement, soit je fais de votre vie un enfer. Je vais te tuer! Mais merde, mec! Tu fais chier! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous! Ok, on retourne au spectre, on saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération! Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Clayson. Ah, bon sang! Hé, hey, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Ichi, surveille la petite! Reste en place! On va se battre! Vous tirez, les mecs! Sans déconner! Un peu d'animation! Allez, Greg, à moi qui les compte tous! Bouge ton cul, Vince! Allez, mène-toi! Ça se présente mal, les gars. Bon, j'arrive. Dépêche-toi! Ichi agonise, il va y rester! Vous avez vu? J'ai vu plusieurs capsules d'évacuation de l'Ulysse s'écraser. Et c'est pas le problème. Sors-toi la tête du cul! J'ai besoin d'un coup de main!
Évacuation immédiate. Bon sang. Ici. Ici. Ah, bon sang. Bougez-vous. Vite. Amenez-le à l'infirmerie. Doc, est-ce qu'il... Allez-y. Va bientôt lâcher. Il faut se barrer de ce putain de vaisseau. Pas question d'abandonner ici. Pas si on a une chance de le sauver. Ok, ok. Si Doc pense pouvoir le réanimer... Remets-le d'aplomb. T'es expert en cybernétique. Tu dois bien pouvoir... Je peux remplacer ses membres, mais... Regarde-le, Gray. La moitié de son corps est broyée. Mais essaye au moins. Il donnerait sa vie pour nous, lui. Et si... J'ai peut-être une idée, mais il me faut une cellule de fusion chargée pour la biosoudure. Impossible d'en trouver ici, Doc. Bon sang! Il doit bien y avoir un moyen. Les capsules d'évacuation de l'Ulysse. J'en ai vu s'écraser. Attends une minute. Il y a des cellules dans les moteurs. Oui, chef. Viens, Harel. Il a plus beaucoup de temps. Maintiens-le en vie. On fait vite. Je vais te le dire franco, boss. T'as pas assuré. Je sais. Je nous ai mis dans la merde. Minute. T'entends? Espèce de gros bruit. Bah oui, je l'entends. Bordel de merde! T'es magnifique, chef. T'es un véritable porte-bonheur. La poisse te colle littéralement à la peau. La ferme. Regarde l'autre sortie. S'interpose, Doc. On fait aussi vite que possible. Oubliez ces saloperies. Dépêchez-vous. Passe la vitesse supérieure pour les dessouder vite fait. Il fait partie des nouvelles troupes de Sarano. Qui, ce clown ?
Final Echo, l'élite. L'élite de mes deux, ouais. Ah, c'était pas qu'une rumeur. Final Echo utilise un lasso. Je croyais que les armes d'instinct étaient hors la loi. Ouais, c'est le cas. Hé les mecs, on le prend si ça déchire tant que ça. Alors sors-toi les doigts et enfile-le. On va essayer. Oh, bordel. Je peux ressentir cette chose. Elle me comprend. Super, boss. Je suis ravi pour toi. Maintenant, rends-toi utile et ouvre le capot de cette capsule. Putain! Récupère une cellule de fusion. Oh, bah merci! Des fois, j'aurais oublié pourquoi on est venu ici.